parti pour le second volet du coup de ces updates lecture. Concernant du coup les livres que je vais vous présenter, ce sont les livres que j'ai emportés en fait au ski et que j'ai quand même eu le temps de lire. J'ai même essayé de le lire dans la voiture parce qu'en plus j'étais au milieu, donc du coup dans l'axe en fait je voyais bien à peu près comment on roulait, parce que souvent les gens quand ils sont malades en voiture, ce qui est mon cas, généralement, dites-le moi en commentaire si j'ai tout faux, mais je m'étais un peu renseignée et j'avais... pour moi c'était logique. En fait souvent quand on lit en voiture, comme notre cerveau est concentré sur quelque chose de fixe mais que au niveau de son espace externe il est en mouvement, c'est ça qui crée un peu cette désorientation et qui peut donner des nausées en fait et nous rendre malades en voiture. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais du coup pour moi c'était logique et j'avais jamais réussi vraiment à lire dans une voiture sans être malade, sans commencer à avoir des nausées et me dire c'est bon du coup je peux pas lire, je suis totalement dégoûtée. Et j'avais réussi à lire Marie Kondo, vous savez, la version illustrée de La magie du rangement. Sans être malade, je l'avais lu entièrement. Donc est-ce que c'est parce qu'il y avait des images, je ne sais pas. Mais du coup, là, j'avais essayé. Bon, j'étais fatiguée en plus qu'on est parti à 5h du matin. Mais du coup, voilà, j'avais réussi à lire un petit peu. Mais j'ai plus eu le temps en fait de lire quand on était au chalet. Parce que en plus, j'étais avec le feu, c'était juste... magique, j'ai adoré ça, vraiment, c'était, j'étais à côté de la cheminée, il y avait cette odeur de feu de bois, ce chalet qui est tout boisé avec de la pierre apparente, bien confortable, assise sur un canapé, avec du coup des fois on faisait l'apéro, tout ça, mais j'étais avec mon petit bouquin à côté du feu et j'étais juste aux anges quoi. Les premiers romans que je vais vous présenter, je vais les présenter tous les deux parce qu'il s'agit d'un préquel, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, et d'un tome 1. Il s'agit de Amber Farrell, donc le tome 0, Origine, et le tome 1, La morsure du serpent, de Mark Henwick. Que voici. Alors, ces romans, je les avais eus, vous savez, donc il y avait le préquel qui était offert avec le premier tome, et ils attendaient depuis un petit moment dans ma palle, et j'hésitais vraiment à les lire parce que je les ai pris vraiment sur un coup de tête. C'était plus parce que je les voyais passer sur le groupe de lecture, il y avait beaucoup de personnes du groupe qui disaient que c'était une bonne histoire, tout ça, qu'ils avaient bien aimé. Mais je l'ai pas pris parce que j'avais lu du coup la quatrième, ni quoi que ce soit, j'avais pas lu d'extrait comme je peux faire des fois sur certains romans. Du coup c'était vraiment une grosse découverte. Donc dedans nous suivons Amber Farrell qui a fait partie d'une équipe spéciale en fait à l'armée. Et suite en fait à une opération, je crois que c'était en Colombie, en tout cas c'était en Amérique du Sud, pour en fait décimer des vampires, elle a été mordue. Et son processus en fait, c'est la seule qu'on a réchappé apparemment. Je crois que c'est comme ça, je ne l'ai pas très bien compris. Et en fait son processus de transformation est contrôlé H24 pour éviter qu'elle se transforme complètement en fait en vampire. Et c'est tout. Non, je plaisante. En fait, du coup, nous suivons du coup Amber qui a ouvert une agence de détective privée, mais elle garde toujours des liens avec l'armée. Et du coup, elle va aider des personnes à essayer le plus possible en fait de rester éloignée des vampires parce qu'elle ne veut pas achever sa transformation. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai lu du coup le préquel d'abord. Parce que d'habitude, souvent, comme pour la meute... Non pas la meute pardon, pour Mercy Thompson et du coup Alpha et Omega, j'avais d'abord du coup lu les premiers tomes et tout ça, et après j'avais lu le préquel. Et c'est vrai que ça avait fait plus de sens, alors que là quand j'ai lu le préquel, s'il y avait trop d'informations d'un coup, ça m'a un peu bloqué en fait dans la lecture. Et du coup j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher. Bien sûr il faisait que le préquel, il ne faisait que du coup... 235 pages et quelques, et du coup j'ai pu facilement le lire et l'expédier rapidement, et du coup j'ai commencé le premier tome et là ça faisait beaucoup plus de sens. Déjà j'adore le tempérament d'Amber, on est du coup sur une fonceuse, sur vraiment une fille badass comme on a dans la plupart des romans de bike littérature, mais toujours avec cette petite pointe de fragilité, une carapace qu'on aimerait bien fracasser, mais c'est pas nous qui allons nous en charger, c'est du coup la personne dont elle va tomber sans doute amoureuse. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a plusieurs personnages en fait qui viennent jouer un rôle important dans le cercle en fait de Amber. Il y a sa secrétaire, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais elle est en fait, elle est un peu comme Watson. Je dis ça parce qu'en fait j'ai le poster de Sherlock Holmes en face de moi, parce qu'elle est importante pour Amber, elle joue un rôle important, mais on n'a pas cette impression là tout de suite. Par contre ce que j'ai moyennement apprécié entre le préquel et le premier tome, c'est que j'ai l'impression que c'est pas du tout la même personne.
ça m'a totalement déstabilisée, c'est que dans le préquel, vous avez Amber qui a une vision particulière en fait des vampires, de sa condition, avec du coup le colonel qui est son référent de l'armée, avec qui elle fait des check-up en fait, des check-up, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais des rendez-vous médicaux tout le temps en fait pour voir son état en fait de vampirique au niveau de son avancement et tout ça. Et en fait elle a vraiment un esprit particulier par rapport à ça, elle a une opinion sur les vampires, sur le monde fantastique, sur ses check-ups, sur le colonel, sur tout. Et tout change quasiment en fait au niveau du premier tome. Et du coup j'étais un petit peu déstabilisée parce que je me dis mais c'est quoi ce bazar qu'on est en... Pourquoi ? Amber Farrell, j'ai bien aimé l'histoire, mais je pense pas que je donnerais suite en fait à ce roman parce que le scénario était beaucoup trop familier. On a bien sûr une jeune fille badass avec un peu de fragilité. On a un, entre guillemets du coup son acolyte à peu près humain, son acolyte qui est un peu dans le monde fantastique. On a des garçons un peu qui lui courent après. On a quelqu'un qui s'affirme et tout ça. On a du coup des enquêtes, du mystère, tout ça. C'était beaucoup trop familier en fait, beaucoup trop répétitif de ce que j'ai pu voir en fait dans d'autres sagas de bike littérature. Même si j'ai passé un bon moment, que l'histoire m'a plu, je vais pas donner suite, j'ai pas envie. Peut-être dans plusieurs années je réfléchirai à voir éventuellement pour lire la suite selon les commentaires de comment les gens en parleront. Mais pour le moment je ne compte pas lire la suite d'Amber Farrell et je verrai comment ça va évoluer plus tard. Le troisième livre dont je vais vous parler, j'avais trop hâte en fait de vous le présenter en face caméra, il s'agit de Insanity, pardon, le tome 1 de Cameron Jace. Alors, c'est un gros coup de cœur, vraiment. Il était en anglais, comme vous pouvez voir la couverture. Et en fait dans ce roman, nous suivons donc Alice Wonder, qui est une jeune fille qui a toujours cru du coup au monde en fait du Pays des Merveilles et qui est internée pour ça. Donc c'est des années plus tard son internement, elle commence à plus du tout y croire, enfin c'est un peu particulier, elle commence en fait entre guillemets pour les gens de l'asile à être guérie. Elle a des problèmes de mémoire, et sauf que du coup en fait l'un des plus grands tueurs de la prison, qui s'appelle le professeur Caterpillar, donc la chenille, demande à la voir et réactive un peu ses souvenirs. Ils vont mener l'enquête tous les deux pour essayer d'attraper le chat du Cheshire qui tue des personnes, en particulier des petites filles à qui il dessine un visage lorsqu'elles meurent, et ils vont mener l'enquête tous les deux. Le jour donc Alice devient une étudiante de psychologie à l'université d'Oxford et la nuit elle retourne à l'asile comme si de rien n'était. J'ai juste adoré cette histoire parce que du coup c'était totalement barré, parce que ça parlait d'Alice, mais c'était juste magique quoi. J'ai lu ça du coup. J'ai beaucoup lu ça à côté du feu, c'était surtout celui-ci que je lisais. Et du coup, j'ai adoré parce que vous avez tous les clins d'œil inimaginables en fait autour du travail en fait de Lewis Carroll et sur Lewis Carroll. En plus de reprendre tout Alice, d'être une réécriture pardon, de Alice au Pays des Merveilles, vous avez aussi plusieurs faits, plusieurs informations qui sont vraies en fait, me suis renseignée sur du coup sur Lewis Carroll, sur son livre, sur son travail, comment il était. Par exemple on apprend quel était son vrai prénom, je le savais personnellement, mais pour quelqu'un en fait qui ne connaît pas du coup Lewis Carroll, qui ne s'intéresse pas forcément à son travail, à son livre, c'est une mine d'informations incroyable. Il y a des choses que je ne savais pas, par exemple j'avais oublié que lors de la première édition anglaise, sur la couverture, la robe d'Alice n'est pas bleue mais jaune, parce qu'à l'époque le jaune était la couleur de la folie. Voilà l'exemple typique en fait d'un fait, de plusieurs faits que le livre peut nous donner. Il y a également un fait, alors il y a sur certains sites, plusieurs personnes disent que c'est vrai, d'autres non. Il y a dedans en fait nous comprenons pourquoi du coup le chat de Cheshire veut tuer des personnes, parce que apparemment dans la ville du coup de Cheshire, là où est né je crois Lewis Carroll, en fait il y a eu une invasion de rats et du coup ils ont mis des chats en fait pour les manger. Sauf que les chats étaient tellement monstrueux, tellement voraces, que les villageois ont commencé à se poser des questions si les chats n'étaient pas possédés par le démon, si c'était pas voilà des créatures diaboliques, et ils ont fait une sorte de fête entre guillemets, et ils ont mis des chats dans des boîtes et les ont jetés du haut d'une tour. Alors,
Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris au niveau du roman, mais soit c'est fait chez Shire, soit c'est fait en Italie. En fait, il y a deux versions différentes. Sur les informations que j'ai vues sur internet aussi, il y a deux versions différentes. Mais il y en a certains qui disent que c'est vrai, que c'est une fête qui a été vraiment. C'est une fête entre guillemets, mais c'était vraiment un massacre qui a été fait dans l'histoire et qui est encore un peu célébré entre guillemets aujourd'hui. Mais c'était choquant en fait quand je l'ai appris, j'en ai un peu pleuré parce que c'est monstrueux en fait de faire ça à des animaux juste parce que on croit qu'ils sont diaboliques. Dans ce roman, j'ai particulièrement apprécié la façon dont en fait tous les personnages d'Alice étaient humanisés. Donc on avait par exemple la chenille qui c'est en fait un homme, un anglais qui est très bien habillé, vous savez, qui s'habille, donc qui est bien habillé mais qui est un peu, qui reprend les couleurs d'ailleurs de la chenille dans Alice au Pays des Merveilles, qui fume toujours le hookah. C'est hookah, oui, c'est ça. Et qui est toujours qui est toujours entouré, voilà, de fumée énorme, qui sait tout, qui a le. C'est monsieur, je sais tout, quoi, tout le temps. Et on a vraiment ce lien avec, du coup, le livre de Lewis Carroll. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ça prend place dans notre monde actuel. C'est très très contemporain comme histoire. Je sais qu'à un moment donné, Alice et du coup le professeur sont en communication, je crois via des oreillettes. Du coup, voilà, c'est hyper moderne, donc ça m'a beaucoup plu. Mais sinon, ça parle d'Alice, donc ça pouvait que me plaire. Je pensais pas autant l'apprécier parce que c'est quand même une bonne réécriture, mais je pensais pas que ça me toucherait autant en fait. Il y a, je crois, encore 10 autres tomes à lire, ou alors juste 6-7, mais je pense vraiment les procurer pour voir la suite et découvrir les autres aventures d'Alice. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le lien que j'ai fait avec le jeu vidéo, parce que Alice, vous voyez, sur la couverture, elle a les cheveux noirs et les yeux bleus, même si dans le jeu, elle a les yeux verts. Mais en fait, elle se rappelle plus très bien du Pays des Merveilles, c'est le cas dans le jeu vidéo. Elle est aussi un peu barrée, elle est un petit peu sanglante, un petit peu froide et c'est une battante en fait, exactement comme dans le jeu vidéo. J'ai adoré faire du coup ce lien et retrouver un peu tous mes repères, tous ceux que je connaissais par rapport au livre de Lewis Carroll, à son travail. J'ai aussi remarqué un sous-entendu par rapport à des rumeurs en fait qui couraient sur Lewis Carroll. En fait, Lewis Carroll avait l'habitude, vous savez, de se lier d'amitié en fait avec une personne de Oxford qui avait des petites filles. Et il emmenait souvent, vous savez, du coup, Alice Liddell et les autres en fait filles de la famille Liddell sur une barque, sur l'eau, vous savez, pour leur raconter des histoires avec la gouvernante. Évidemment, il n'était pas tout seul avec les enfants. Mais en fait, au bout d'un moment, il a cessé les communications, il a été un petit peu éjecté de la famille du jour au lendemain. Et il y a eu plusieurs rumeurs, soit parce que du coup il avait une histoire avec la gouvernante et ça s'était mal fini, soit en fait il avait des penchants en fait pour les enfants. Et justement par rapport à cette dernière rumeur, il y a un clin d'œil qui est fait dans le roman par rapport aux photographies en fait de Lewis Carroll, parce qu'il photographiait les petites filles. Et à un moment donné, je sais plus comment elle le tourne, mais en gros c'est dit, de toute façon c'est tout ce qu'il faisait avec ses photographies ou un truc du style. Et du coup c'est vraiment un gros clin d'œil à cette rumeur, on ne sait pas du tout si c'est fondé parce qu'il y a énormément de correspondance qui a été qui est perdue, qui a disparu, on ne sait pas si c'est détruit ou si c'est juste égaré, mais on n'aura jamais en fait vraiment la vérité sur si c'était vraiment le cas, s'il avait un penchant pour les enfants en fait. Et le quatrième roman dont je vais vous parler, il s'agit du tome 3 des Chroniques Lunaires, donc Cress. C'est mon roman préféré de la saga. Vraiment, j'ai bien aimé Heartless, même si c'est pas dans les Chroniques Lunaires, c'est vraiment un tome supplémentaire. Mais celui-ci, j'ai adoré parce que Cress et Thorne, c'était vraiment le couple en fait que j'attendais beaucoup. J'en avais vite fait entendu parler, mais je pensais pas l'aimer à ce point. Cress, du coup, c'est pour réponse pour Rapunzel, qui a ses très très longs cheveux. On a aussi un clin d'œil au fait que le compagnon perd une faculté, je vais pas spoiler non plus. On a ce côté où ses cheveux vont être un moment coupés. Enfin, on a beaucoup de clins d'œil en fait au conte original, pas celui qu'on a vu dans Disney. Et ça, j'ai adoré dans l'histoire. Ensuite, j'ai bien aimé qu'on retrouve tous les autres personnages, qu'on ait leur point de vue, leur histoire. Ça, j'ai apprécié. J'ai adoré aussi que l'histoire prenne enfin un tournant et avance, parce qu'on était bloqué à un certain point et ça commençait à m'énerver. J'ai bien aimé aussi, vous savez, le fait où on apprend du coup qu'il y a encore une autre personne qu'on va avoir, donc c'est le tome 4 avec Winter.
Enfin voilà, j'ai hâte, à chaque fois il y a quelque chose qui est fait pour, vous savez, pour qu'on ait envie de lire la suite. Il y a vraiment du suspense qui est mis en place, il y a beaucoup d'éléments. Mais en tout cas voilà, c'est les chroniques lunaires, je trouve difficile de les chroniquer parce que on peut pas raconter ce qui se passe dans ce tome sans du coup spoiler la saga. On peut juste parler de la relation vite fait et un peu de ce qui s'y passe. Mais en tout cas voilà, l'histoire globale en fait de la quête de Cinder évolue énormément. Les relations évoluent aussi, donc on a un nouveau couple qui se forme. Le tome 3 en fait des chroniques lunaires est vraiment marqué par l'évolution de l'histoire, par l'évolution des couples, des relations, et ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de blancs qui étaient, beaucoup de, en fait, d'informations qui étaient restées, on va dire, incomplètes depuis le premier tome, sur certains personnages, sur certains faits de l'histoire, qui sont complétés grâce à ce tome-là. Donc si vous étiez un peu frustré par rapport à certaines informations, à certains événements, à certains couples, ce tome-là va vous apaiser au maximum parce que il est vraiment, c'est un bijou. J'ai adoré les relations, la relation du coup entre Cress et Thorn. Ils sont drôles, ils sont attachants. C'est mon couple préféré. On verra ce qu'il en est de Winter du coup. Mais j'ai hâte encore de lire la suite. Je sais pas quand est-ce que j'aurai Winter. Je vais le lire, je pense. Je vais essayer de le lire pour Noël parce que du coup on est sur Blanche-Neige et ça s'appelle Winter. Voilà, donc je vais essayer de le caler pour le Challenge Club Winter du coup de cette année. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce livre parce que si je vous en dis plus, je vous spoil. J'ai pas du tout envie. Donc pour le bilan de fin de ce bon update lecture, j'ai vraiment apprécié quasiment toutes les lectures de cet update. Ensuite, du coup, pour refaire les bilans un petit peu, vous savez, de fin que des fois j'oublie totalement, les Amber Farrell. Alors, les Amber Farrell, c'était vraiment des bons romans de bike littérature, un peu inattendus, un peu trop familiers aussi. Et je ne donnerai pas suite. Ils sont surtout axés sur les vampires, mais pas que. Il y a quelques petites surprises par rapport aux créatures fantastiques qu'on peut y trouver. Ensuite, un gros coup de cœur avec Insanity de Cameron Joyce, qui est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Il nous réserve encore pas mal de surprises parce que je crois qu'on a encore 6-7 tomes à lire après. Et j'ai hâte en fait de découvrir ce qu'il nous réserve après. J'ai ensuite Lucrèce, le tome 3 pardon, des Chroniques Lunaires, qui était juste un bijou, j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un super bon moment. Thorn et Cress sont mon couple préféré, j'ai hâte de lire la suite. Et si vous n'êtes pas encore mis à cette saga, foncez.